C'est bon, ça filme. C'est super. Voilà, génial. Et ben, on se retrouve avec Urbex Péripétie. Hello. Juste ici. Et là, on va direction le spot. Alors, on sait pas si c'est ouvert ou même abandonné, on n'en sait rien. Normalement, c'est abandonné. On a eu quelques sources. Donc là, on s'est garé un peu plus loin, tout en bas du chemin. Et on y va. On est en train de monter la colline avec le château tout au-dessus, donc ça va être sympa. Donc oui, c'est un château et du coup on va se retrouver si on arrive à rentrer ou du moins devant le spot. On se retrouve à l'intérieur du château. J'en peux plus. On a dû courir à cause d'un chien. Alors, je veux dire, c'est pas quelqu'un d'ici, c'est un chien d'à côté. On va se poser 5 minutes, c'est une garder un peu. S'il arrive, il arrive de là, donc. Juste pour être sûr qu'on n'est pas dans le bruit. Parce que vous allez voir, le château, il est incroyable. Il est énorme. Même d'extérieur. Ah ouais, non, oula. J'y arrive pas, tu vois. On va par là-bas. Il y a cette pièce, super sympa. On va aller visiter ça tout de suite, mais on attend un petit peu pour calmer un peu les esprits, parce que on a un peu couru. Elle s'en trouve tout de suite. On va continuer la visite. Première pièce. Ah ouais. Elle est sympa. Tous les murs en bois. Le carrelage des feuilles. Regardez-moi ça. Pas trop de moulures. C'est une cheminée. Je peux aller par là. Regardez-moi ça, l'état des canapés. Alors on fait pas trop de bruit, j'espère que on nous entend suffisamment pour la vidéo. Oh, regardez-moi là-bas, on va y aller juste après. Avec plein de moulures. Partout. C'est doré. Vraiment l'affût là. Si je mets le propriétaire. Enfin, je sais pas le propriétaire là. Le gardien arrive. Regardez-moi ça. Incroyable. Non, je pense que c'est le petit boîtier là-haut. Sûrement une alarme. Une vieille alarme. En tout cas, comme on témoigne, vous voyez, c'est tout cassé. Je pense. Ah ouais, il y en a qui sont cassés. C'était pas cassé, moi, à ce moment-là. Et même pour sortir. Ouais, c'est ouvert, quoi. C'était par là que je pensais qu'on allait arriver, moi. C'est pour ça. C'est ouvert. Allez, on va continuer. Si vous vous rendez compte, la beauté du truc. Oh, le moisi là-bas. On essaie de pas trop faire de bruit parce que ça résonne très très vite. Regardez.
quand même en bas. C'est pourri, il y a de la mousse sur les murs. Tout ça c'est de la mousse. Incroyable. On va monter. Voir ce qui se cache un peu au-dessus. Regardez-moi cet escalier. Incroyable. Franchement là c'est waouh. Là aussi. Tout le long. Complexe péripétie tout petit à côté. Ah cette trace. On va continuer de monter. Oh, un joli point de vue. Sur tout l'escalier. Alors on est en hiver lors de cette exploration. Autant vous dire qu'il fait très 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 froid. Regardez-moi ça. C'est tout ouvert. J'ai l'impression qu'il refait la dalle. Ah bah il y a du boulot pour faire des travaux là. Urbex péripétie qui revient de fond, il n'y a pas grand chose, c'est plutôt vide. Oui, je sais pas de quand datent toutes ces DVD, tous ces DVD. Non, c'est plus très d'actualité. Ah ouais, joli, un petit bureau. Vieux tableau. Effectivement, début de rénovation. Vous pouvez voir là, les murs s'étaient rajoutés. C'est tout gras par terre. Ah oui, c'est mécu. Ils ont essayé, ils se sont dit voilà. Trop de frais. Enfin. Je comprends vite pourquoi. La partie du haut. On va essayer de faire la partie du bas. C'est parti. Bon, c'est ce grand escalier. Je me suis tendu le bras à fond. Regardez-moi. Incroyable. Ah, il est incroyable cet escalier. C'est fou. Et puis ça descend encore en bas là. On ira après. On va déjà passer par là. Ok. Donc là, on va faire toute cette partie. Sachant qu'on se rapproche de la propriété du gardien. Dans ce coin. C'est cuisine. Et la coca. Ouais, c'est des. Ah, bah, il y a pas mal la cheminée.
brosse à l'envers, mais c'est marqué 2004. 2004. 2002. Encore 2002. On a vu que les plus récents, 2005. On a vu une dernière chambre tout au fond et après on s'en va parce que ça craint un peu. C'est ultra calme et on sait qu'il y a le gardien pas loin. On va se dépêcher. On a fini la visite du spot. Du coup, on va aller dehors. Parce que je pense que c'est pas mal de voir la façade. Je sais pas si je vais mettre la vidéo. Parce que je pense qu'on va plutôt repérer facilement le spot. Ouais, vraiment, c'est coquillisable tant qu'on vous fera pas ce cadeau. Ouais, tant qu'on va guider. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Et oui, à bientôt. Bientôt. À très bientôt. Pas nous qui avons cassé, on n'est pas passé par là. La vidéo ouais.
Et on voilà. A réussi à sortir. On est sorti enfin. C'était un peu chaud parce qu'on voulait pas repasser devant le chien. Ouais. Parce qu'on sait pas s'il a accroché, on sait pas la maison du gardien, si le gardien il est là. On sait même pas si c'est le gardien en fait. Donc, On sait pas, en tout cas il y a un chien. Donc je pense que c'est quand même habité, parce que tu laisses pas un chien comme ça au pif quoi. Donc du coup on est passé par notre endroit, bref, c'est blindé de ronces et tout. On s'en est sorti, nickel. Donc là, on rejoint la voiture et on s'en va. Peut-être qu'on trouvera un autre spot sur la route. Qui sait, on a quelques trucs à aller voir. Voilà. On va bien regarder ce que ça donne. Avant qu'il fasse nuit et puis c'est parti.